est votre destinée. Destinée, par contre, c'est celle que Dieu a organisée, Dieu a préparée, Dieu a prévue. Avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, Dieu a organisé. Avant que tu ne sois dans les seins de ta mère, Dieu avait déjà prévu ce que tu dois réaliser. Et je crois qu'au nom de Jésus, tu vas le réaliser. Je suis d'accord avec toi. Rien ne t'empêche, Dieu a organisé. Voilà pourquoi une femme intelligente doit apprendre à, en fonction de ce qui a été prévu de sa, dans sa destinée. Il faut trouver le plaisir dans le désir de ta destinée. Dis à ta sœur, à ton frère, trouve le plaisir dans le désir de ta destinée. Il faut que tu trouves le plaisir là-dedans. Que tu trouves le plaisir dans le désir de ta destinée. C'est appelé à faire selon ta destinée. Trouve le plaisir là-dedans. Je veux que tu retiennes une chose. Une femme remplie du Saint-Esprit n'a pas le temps à perdre. Le temps, il est précieux. Le temps, ce n'est pas l'argent. Time is not money. Time is life. Le temps, ce n'est pas l'argent. Le temps, c'est la vie. Le temps, c'est un élément qui te permet de compter tes jours. Tu ne blagues pas avec. Tu ne joues pas avec. Voilà pourquoi, femme intelligente et sage, je viens te dire, ne blague pas avec celui qui vient te faire perdre le temps. Ne garde pas autour de toi des gens qui te perdent le temps. Tu dois te focaliser sur le temps que Dieu t'a donné, partie de ta vie. Un désir qui fait plaisir sans faire devenir est une pourrie destinée. Un désir qui fait plaisir sans vous faire devenir est une pourriture dans la destinée. Que tout plaisir que tu voudras rechercher t'amène à devenir dans ta destinée. Qui a entendu ?